Il va vraiment falloir qu'il y ait un changement de paradigme dans le marché montréalais parce qu'à Montréal, ils ne comprennent pas. Là, j'ai des offres à Austin, à New York, à Phoenix pour faire exactement comme moi j'ai envie, servir mes clients parce qu'il y a une clientèle pour ça. Donc, en business agility, il y avait quelqu'un que je vais peut-être mettre le nom de l'autre parce que là, il m'échappe et c'est pas Steve Denning. Mais il disait souvent que l'objectif d'une business, c'est de se créer des clients. Alors moi, je suis comme en train de me créer des clients dans une culture plus américaine que québécoise. Parce qu'au Québec, l'agilité, c'est un peu n'importe quoi. Hein? C'est un peu des gens qui pensent parce qu'ils ont lu ou ils ont vu quelques vidéos que ben voilà, je peux faire de l'agilité comme ça. Et ça devient une soumission des programmeurs, des designers, plutôt que vraiment une collaboration. Parce qu'ils ne comprennent pas que agile, c'est simplement un ensemble de valeurs et de principes qui vont nous aider. Ça va être des outils qui vont nous aider à prendre des décisions en agile management. Et puis même le management, là, c'est un peu tricky. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, et puis bon, on va nous parler de Safe qui n'est pas du tout agile, qui n'est même pas Scrum, qui n'a rien à voir avec le développement itératif, qui vient ramener de la structure plutôt que de s'orienter vers les gens. Donc c'est pas compliqué, hein? Agile, c'est un set de 4 valeurs, 12 principes, avec des techniques de base, qui devraient vous donner les outils à prendre des décisions pour la collaboration entre les clients plutôt que de la négociation. Donc c'est vraiment adopter et appliquer ces principes-là. Et c'est vraiment basé, non pas sur le B2C, qui est Business to Consumer, ou B2B, Business to Business, mais vraiment sur l'aspect de human interaction. Surtout dans un monde de plus en plus digitalisé, virtuel, avec l'artificial intelligence qui s'en vient de plus en plus. Il faudra ramener l'humain au cœur de l'ensemble décisionnel. Et puis, il faut pas oublier que derrière toute cette poussée d'intelligence artificielle qui pourra apparemment prendre des décisions sans l'interaction humaine, c'est quand même des humains qui seront derrière cette création et cette programmation-là. Il faut l'appeler programmation, c'est ce que c'est. Qui vont aussi gérer les bases de données, qui vont préparer les algorithmes. Et puis, ce sera aussi des humains qui utiliseront ou qui auront une relation avec ces machines. Donc, si les décideurs de demain, les startups d'aujourd'hui qui deviendront les grandes compagnies de demain, n'adoptent pas ces valeurs et ces principes d'agilité, entre autres pour la production, oui, mais aussi pour la valeur commerciale, la valeur humaine de l'échange, de l'expérience client, de l'expérience utilisateur, ben, ça va tout simplement foirer. Donc moi, voilà, j'avais un café l'autre fois avec un de mes partenaires d'affaires. Il me disait, ah ouais, tu es pas mal à contre-courant, tu ne veux pas faire safe, donc c'est difficile pour moi de te proposer des clients qui veulent tous faire safe. J'ai dit, ben, justement, s'ils veulent être trop safe, moi je suis un disruptor. Alors, il pourrait peut-être être ouvert plus à Enterprise Scrum, qui est un vrai modèle de mise à l'échelle de l'agilité. Et puis avant de mettre à l'échelle l'agilité, qu'ils arrêtent donc de parler de toutes sortes de choses buzzword comme DevOps, Lean, machin, et qu'ils se concentrent à comprendre les 4 valeurs et 12 principes puis à l'appliquer. Voilà, ça c'était mon 5 cents pour l'année du côté professionnel.